Bonjour mon frère, comment tu vas? Ok, bonjour mon frère, je vais très bien et vous, j'espère que... Ouais, ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter aux internautes qui aimeraient savoir qui tu es et puis qu'est-ce que tu fais ici en Europe et pourquoi tu es là? Ok, merci beaucoup pour la parole. Voilà, moi c'est M. Bamba. Voilà, je suis étudiant en troisième année de business. Voilà, la vie en Europe, bon, on peut dire, bon, c'est pas aussi facile que ça. Vous voyez bien, je suis emballé. Voilà, il fait froid en ce moment, nous sommes à 14 degrés. Voilà, donc le changement climatique, ça fatigue beaucoup. Le fait que nous étions à 25, 26 degrés, aujourd'hui on se retrouve à 14, à moins 5, et voire même moins 10. Voilà, c'est pas du facile, mais bon, on s'adapte à tout. Comme je dis, le corps humain s'adapte à tout. Voilà, le conseil que je peux donner à mes jeunes frères et mes grands frères qui sont encore au pays, qui décident de venir faire des études en Europe. Oui, oui. Bon, je peux vous dire que bon, les études en Europe sont vraiment bonnes. Si tu as des parents qui sont prêts à assurer la scolarité, tout, de prendre en charge, vraiment, c'est bon, c'est une bonne opportunité. Tu peux te résoudre un bon diplôme solide, tu rentres au pays, ou bien tu vas ailleurs, tu peux avoir un bon boulot. Voilà ce que je peux dire. Mais si ça peut devenir, si tu n'as pas de parents qui peuvent te prendre en charge, vraiment, ce n'est pas aussi facile que ça. On voit que tu dois venir travailler toi-même, payer tes études, ce n'est pas aussi facile, mais rien n'est impossible. Mais voilà. Est-ce que les étudiants. Est-ce que vous travaillez de temps en temps pour payer votre scolarité ou même pour subvenir à vos besoins, voilà, concernant la nourriture, les vêtements, est-ce que vous travaillez souvent de temps en temps pour gérer ça? Ok, merci beaucoup. Voilà, en tout cas, on travaille ici, on s'est débrouillé pas mal. Moi, personnellement, depuis que je suis en Russie, je n'ai jamais demandé 5 francs aux parents. Voilà, je paye moi mes études avec le travail que j'ai fait. Bien que ce n'est pas facile. Mais j'arrive à travailler, me prendre en charge, la nourriture, tout, mes comptes, mes vêtements, tout. Et même aider un peu la famille au pays, les petits frères, les petites soeurs au pays. Vraiment, voilà. Donc, on dit dans la vie, si tu veux, tu peux. Voilà, donc il y a du boulot, on peut travailler normalement un peu. Voilà. Ça peut être de travailler, on travaille comme on peut. Si tu veux, tu travailles. Si tu n'es pas paresseux, tu vas travailler. Voilà, mais ne dis pas que non, tu vas t'asseoir dans la maison, l'argent viendra te trouver à la maison, non. Tu vas faire des jeux de 10 doigts pour avoir ce que tu veux. Voilà. Okay. Merci ça. Beaucoup d'avoir apporté attention face à cette caméra. Voilà. Et puis voilà, bonne chance pour la suite. Et puis Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, et partager la vidéo. Okay. Donc, je vous remercie. On est ensemble. Ciao.